Alors, je retrouve enfin pour un point en face cam pour ce reading vlog, enfin weekly vlog, reading vlog, voyez ça comme vous voulez. Juste pour vous préciser du coup un peu ce que vous avez vu. Donc, lundi, j'ai pas fait grand chose, honnêtement. J'ai fait du coloriage, hein, comme vous avez vu. Là, moi, au moment où je vous tourne, on est jeudi matin. Donc, mardi, honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Je suis vraiment restée devant l'ordi à pas faire grand-chose, parce que je précise, je suis en arrêt, donc voilà, je suis malade, je peux pas faire grand-chose, donc c'est pour ça. Hier, j'ai vachement avancé ma lecture en cours. J'ai commencé donc à me faire un pull au crochet, sachant que j'avais déjà fait le dos, donc là j'étais en train de faire la partie du devant, enfin, je vous ai tourné du coup la fin de la partie du devant. Et voilà, donc là aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai des cartons parce que j'ai reçu des commandes. J'ai deux livres de colo et des livres, donc tant qu'à faire, je vais vous les montrer maintenant. Je les ai déjà ouverts pour éviter le moment de galère, de gênance et surtout de bruit monstrueux. Donc je vais commencer tout de suite avec les livres de coloriage. Donc j'ai pris le coloriage mystère manga, parce que j'ai vu des reviews dessus, les élus étaient vraiment magnifiques, donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais me le prendre. C'est dommage parce que de mémoire, il n'y en a qu'un seul comme ça, enfin, en tout cas de cette marque. Ce serait vraiment bien s'ils pouvaient en faire un deuxième, honnêtement, parce qu'au vu des élus, je sais qu'à mon avis, je vais le manger. Je sais pas du tout combien il y a de colos, je vais vous dire ça, il y en a 100, je crois. Ouais, c'est ça, il y en a 100. Vous avez un peu de tout au niveau des styles. De toute façon, évidemment, vous verrez ça au fur et à mesure que je le ferai. Et je me suis pris le grand bloc trompe-l'œil, donc le deuxième tome, parce que j'ai déjà attaqué du coup le 1, que j'ai déjà presque fini. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va continuer avec le 2. Ce qui est bien, c'est que c'est un bloc comme ça, donc en fait, je vais pouvoir travailler au feutre alcool, c'est surtout pour ça. Puisque les colos en fait ne sont pas recto verso. Vous avez donc le colo ici et donc derrière une page blanche. Et c'est ça l'avantage honnêtement. Là j'ai pas du tout regardé les solus, donc honnêtement je sais pas du tout ce qu'on a au niveau des colos, au niveau des thèmes, etc. Donc ça va être la surprise totale évidemment en le faisant. Et donc pour les livres, alors c'est con parce que du coup je vous spoil une partie de ce que j'ai lu au mois de février, puisque je vous les ai pas encore présentés en point lecture, mais c'est pas grave. Et j'ai pas encore posté non plus les chroniques sur Insta. Donc je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Seule la mort attend la vilaine. Hop, donc c'est deux livres qui à la base étaient des webtoons. J'ai lu le 1 que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc ça m'en fait beaucoup à rattraper, mais c'est pas grave. Honnêtement, j'aime beaucoup beaucoup. En gros, on va suivre une nana qui se réincarne dans le mode difficile d'un de ses jeux préférés en fait. Donc elle va incarner la vilaine, et en fait le titre, donc Seule la mort atteint la vilaine, tout simplement parce que le mode difficile du jeu est tellement compliqué qu'à la moindre phrase de travers, en fait, le perso crève. Et donc elle va devoir essayer de survivre, tant bien que mal, sachant qu'elle n'a jamais réussi à aller très très loin. Elle ne connaît donc évidemment pas la moitié du jeu, en tout cas le mode difficile, puisque le mode facile, elle l'a terminé en une nuit. Et donc, on va la suivre pendant qu'elle essaye de survivre et de potentiellement essayer de retrouver son monde. Donc, c'est un isekai, évidemment. Moi, j'aime beaucoup en vrai ce genre de choses parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, honnêtement, d'introduire en fait le monde fantastique, puisque la personne ne connaît rien au monde fantastique, vu que techniquement elle est morte et elle s'est réincarnée. Elle arrive, elle sait vraiment pas ce qui se passe ni rien, donc ça permet aussi d'introduire facilement l'univers au lecteur et j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman, donc en français bien évidemment, je crois. Oui, c'est en français. De toute façon, j'ai prévu d'essayer de les lire en anglais. Alors, je les emprunterai à une collègue à moi qui les a parce que les acheter, je me vois mal avoir deux fois le même livre, très honnêtement.
Mais j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1, donc on suivait ces deux jeunes garçons qui commençaient à lier une amitié, voire plus, ensemble. La fin du premier tome m'avait brisé le cœur, donc je pense que je vais le lire très rapidement, honnêtement. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 4, le tome 5, oui, je vais y arriver, et le tome 6. Des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Courage. Donc, c'est. Voilà, je vous avais pas dit, mais je me suis acheté, en fait, il y a un mois, je dirais, début février, un truc comme ça, le coffret, donc qui comprenait les trois premiers tomes. Donc, d'où le fait que j'achète à partir de 4, c'est normal. Je me les suis fait, honnêtement, en une journée. J'ai adoré, vraiment. Il y a 12 tomes, je crois, actuellement. Donc ça m'en fait pas mal à rattraper. Donc je pense que je vais me les acheter à peu près 3 par 3, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Évidemment, 3 par mois, hein, je vais pas m'en acheter 3 une semaine, 3 la suivante, etc. Il faut que je me retienne, honnêtement, j'ai pas des finances à rallonge. J'avais beaucoup aimé, donc en gros, on va suivre, je sais même plus comment elle s'appelle, Mao Mao. Qui en gros elle s'est fait enlever un jour alors qu'elle était partie chercher des plantes médicinales, sachant que ça se passe dans une époque, vous savez, avec les empereurs, les concubines, ce genre de choses. Donc elle se fait enlever et elle devient domestique donc au palais impérial, du coup, où en fait elle va servir du coup les concubines et suite au fait qu'elle a réussi à sauver la vie de quelqu'un. Elle va être promue du coup auprès bah, directement des favorites de l'empereur et elle va devenir du coup par la même occasion goûteuse de du coup une des concubines et ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'elle a des compétences d'apothicaire qui pourraient s'avérer quand même relativement utiles pour éliminer les menaces. Voilà, donc c'est un seinen, je précise, Mao Mao est très flippante quand on la. Quand, enfin, sur certaines choses, enfin, je veux dire, quand elle s'énerve ou qu'elle essaye de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, elle peut devenir très flippante, les dessins peuvent devenir assez sombres. Donc voilà, c'est ce contraste-là aussi que j'aime beaucoup. Évidemment que je vais me les faire assez rapidement aussi. Et donc, je me suis pris la suite de Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants de Emma Toyama. Donc j'ai pris le 5, le 6. Et le 7, puisque bah, j'ai déjà les autres tomes, donc pareil, je vais me les acheter 3 par 3, sachant que bah, le mois prochain, du coup, je les aurai finis, parce que techniquement, il y aura 10 tomes. Le tome 10 n'est pas encore sorti, là, on est au tome 9, je crois. Donc, bah, évidemment, que je vais attendre que le 10 sorte pour pouvoir acheter du coup les 3 d'un coup. Ensuite, bah, tant que j'y pense, en termes de lecture, donc lundi, j'ai terminé le premier tome de Captive de Sarah Rivens. Normalement, oui, normalement, vous avez déjà eu la semaine dernière le reading vlog justement que j'ai fait dessus. Donc, je reprécise que du coup, c'était suite à une lecture commune avec une collègue à moi que je l'ai lu. Du coup, j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans au début, dans le sens où c'est une dark romance. Le prologue est très hard. Les premiers chapitres sont très hard en termes de violence, hein, je parle. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça commence direct. Après, j'avoue que j'ai commencé à vraiment bien aimer parce qu'on a quand même tout un univers ben, de mafieux hein, que moi je ne connais pas particulièrement, donc je trouve que c'est quand même une bonne introduction. Je trouve aussi que la plume, alors certes, elle est plutôt simple, hein, faut pas, on va pas se mentir, mais justement, elle est très fluide et moi, faut que, enfin, je rappelle du coup que j'ai lu ce livre sur une semaine, donc je me faisais à peu près 6 chapitres par jour. Autant vous dire que bah, quand j'arrêtais mes chapitres du jour, bah, je devais attendre le lendemain, donc le lendemain, j'avais le temps de refroidir. Et sauf que justement, je trouve que j'arrivais vachement plus que d'habitude à me remettre facilement dans l'histoire, là où des fois il me faut plusieurs pages, voire plusieurs chapitres pour me remettre dedans, bah là j'ai pas eu trop trop de mal, donc c'est cool. Évidemment, je le conseillerais pas à tout le monde, pour moi c'est. Allez, 16 plus, voire 18 plus en vrai, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de scène de cul. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de violences verbales, physiques, il y a des mentions de viol notamment, enfin.
Rien de très joyeux, quoi. Je sais plus quand c'était, je crois que c'était lundi aussi, suite à une insomnie. Je me suis fait le tome 1 des Secrets de Wilson de 1002, 1000 tout. Je sais pas du tout comment on prononce ce pseudo. À la base, pareil, c'est un webtoon. J'ai cru comprendre du coup que ça va être une trilogie. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. En gros, on va suivre Anna, donc qui est cette jeune fille qui, à la mort de son grand-père, va en fait hériter de sa maison, de sa fortune, enfin de tout ce qu'il possède, sachant que son grand-père était quelqu'un qui dirigeait beaucoup, beaucoup de biens immobiliers. Enfin voilà. Il faut savoir que 7 ans auparavant, il les a un peu laissés sans nouvelles, elle et son père. Il a disparu en fait du jour au lendemain en envoyant juste un livre tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de Anna. Bah, c'est un peu du coup le meilleur moyen que a Anna du coup de découvrir bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, etc. Sachant que son grand-père, du coup, il lui a laissé toute une série d'énigmes, de choses comme ça. Ça a l'air d'être quand même assez sombre parce qu'on a, enfin, on a une ambiance un peu sombre, lugubre, voire même macabre en fait. Et je pense que ça va être vraiment très glauque comme histoire. Honnêtement, on soupçonne tous les personnages de cacher plein plein de choses. Enfin, c'est incroyable. En l'espace d'un tome, en fait, on nous introduit vraiment super bien l'histoire, on nous met vraiment bien dans l'ambiance, donc j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que pourront donner les suivants. Donc voilà, sachant que les dessins, honnêtement, je les aime beaucoup, je vous montrerai ça en point lecture, je pense. Et sinon, moi, en ce moment, je suis en train de lire, du coup, donc c'est ce que vous m'avez vu lire dans le rush juste avant. Je suis en train de lire du coup le tome 2 de Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge. Donc c'est un diptyque, donc c'est le dernier tome. Il est vachement vachement glauque. Là, au vu de comment j'ai découpé le livre, il me reste juste une session lecture. Il me reste juste une session lecture pour le terminer. Donc j'ai un peu moins de. Ouais, on va dire que j'ai à peu près 60 pages qui me restent pour le terminer. Donc du coup, je pense que j'attaquerai un autre roman dans l'après-midi. Enfin, dans l'après-midi. Je sais pas quand je l'aurai terminé, mais dans la foulée. En gros, petit rappel, donc dans le tome 1, on suivait Martha, donc qui a été victime d'un accident quelques mois auparavant, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle est devenue aveugle d'un œil. Sauf que bah, depuis cet accident, il se trouve qu'elle arrive à. Alors, c'est pas qu'elle lit l'avenir, mais. Elle arrive à voir le passé des gens en touchant du coup leurs vêtements, du tissu, etc. Sachant que chaque tissu a ses propriétés, puisque en gros vous en avez. Il y a toute une histoire avec le coton, le cachemire, etc., etc. En gros, vous avez certains tissus qui lui permettent d'avoir juste les émotions, d'autres qui lui font voir les faits sans les émotions, d'autres qui peuvent remonter aux rêves, etc., etc. Enfin, c'est super intéressant au niveau de son don, honnêtement. Elle va se retrouver du coup à aller visiter sa grand-mère, donc chez qui elle a eu son accident, donc qui habite en Norvège, alors que bah, elle, avec ses parents, elle habite en Angleterre, je crois. Il faut savoir qu'elle parle pas du tout norvégien, elle connaît rien du tout à cette culture. Honnêtement, elle connaît juste sa grand-mère et bah, les voisins les plus proches parce que sa grand-mère habite sur une île un peu paumée. Sauf que bah, quand elle y va, elle trouve dans la maison un gars qui a son âge, qu'elle connaît pas du tout, qui a l'air d'être très bizarre et qui lui dit en fait que bah, ça fait plusieurs mois que sa grand-mère, elle est. Non, plusieurs jours, je crois, que sa grand-mère, elle est décédée. Évidemment, Martha ne comprend pas parce que elle était pas au courant. Enfin, sa mère lui a rien dit, etc., etc. Donc, elle pète un peu les plombs. Et en fait, bah, tout simplement, on va suivre son histoire, donc pour essayer de retracer du coup, enfin de renouer surtout avec les liens du passé. Il va évidemment être question du coup de mythologie nordique. Honnêtement, je crois que j'avais moyennement aimé le tome 1, mais je l'avais quand même trouvé assez intéressant. Là, le tome 2, honnêtement, à part que par moments j'ai vraiment envie de claquer Martha, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup pour l'instant. Il est vraiment très sympa à lire. Donc, dans le tome 2, en fait, là, on est plus sur une espèce d'enquête sur un meurtre. Enfin, un meurtre, un possible meurtre, étant donné que tout.
tout montre à penser que c'est un meurtre. Donc, bah, du coup, elle va essayer de résoudre ce mystère-là, là où, dans le tome 1 de mémoire, elle essayait un peu de sauver le monde, ou en tout cas une partie, on va dire. Lisez-le, ce sera plus simple, parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler, en fait. C'est pour ça que je prends des grosses pincettes, parce que je me rends pas compte, en vrai, de ce que je peux dire ou ne pas dire, donc MDR. Mais là, en vrai, celui-là, il est dingue, glauque, ce tome. Ah, c'est incroyable, vraiment. On a une ambiance qui est vraiment particulière. On sent que tous les personnages nous cachent un truc. Enfin, alors, au niveau de l'ambiance, c'est un peu comme Les Secrets des Wilson, hein. Sauf que, en même temps, pas trop. Mais je me comprends en disant ça. Évidemment que je vous ferai un compte-rendu quand j'aurai terminé. Mais je pense que ça va partir sur une très bonne lecture, honnêtement. Alors peut-être pas non plus un coup de cœur, mais une très bonne lecture dans tous les cas. Donc aujourd'hui du coup, bah, il faut que je termine ce roman, possiblement que j'en attaque un autre, ou alors que je me fasse un ou deux mangas, une ou deux BD, peu importe, mais j'aimerais bien essayer de lire un peu plus aujourd'hui. Non, je vous ai pas tourné ça, mais en gros, j'ai commencé à recevoir ce qu'il me faut pour terminer. Donc, je suis en train de me faire un cardigan au crochet. Bah là, je suis en train d'avancer au maximum mes carreaux. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, hier, j'ai réussi à finir tout ce qu'il me fallait pour une des couleurs. Aujourd'hui, il faut que j'avance un max pour la deuxième. Sachant que bah, il me manque pour la troisième couleur, voilà. Mais je suis contente, j'avance vraiment bien, je vais bientôt pouvoir passer à la couture. Il me restera bah, bientôt juste les bordures et la couture du coup à faire, en plus de terminer les carrés de couleurs qu'il me faut. Mais ça va être vite fait honnêtement. Sauf que je pense que j'ai encore commandé trop de laine. Je suis insupportable avec ça, j'ai aucune notion des quantités. Mais dans tous les cas, ça me servira, donc on s'en fout. Donc il me reste bah, à recevoir ma dernière commande du coup de chez Fildart. Tout simplement parce que bah, j'ai pris de quoi terminer mon pull. Parce qu'en gros j'ai eu assez pour faire la partie de derrière, la partie de devant. Techniquement j'aurais assez pour commencer les manches, sauf que j'aimerais bien voir en fait combien de pelotes il me faut pour faire une manche. Pour l'instant je suis à peu près à deux pelotes pour le derrière et deux pelotes pour le devant, avec évidemment une marge de rab, donc voilà, mais c'est que justement j'essaye de voir combien il va me falloir. Donc pour les manches, en vrai, je pense une pelote et demie, ça va me suffire. Enfin honnêtement, je pense pas qu'il y en aurait besoin de deux. Autant vous dire que j'en ai commandé 6, donc à mon avis, j'ai un peu trop abusé encore. Faut que j'arrête. J'ai repris aussi de quoi continuer un peu ma couverture, même si pour l'instant, je l'ai vraiment mise en pause. Il me reste à peu près 10 pelotes, donc là j'en ai recommandé 10. Avec un peu de chance, j'aurais du rap pour faire autre chose. Voilà. Sachant que il faudrait qu'elle fasse. Enfin, ma couverture, si vous voulez, elle fait 1,20 m de large. Techniquement, pour que ça fasse un joli rectangle, il faudrait qu'elle fasse le double. Donc, elle risque de faire 2,40 m de long. C'est presque 3 m, ça va être très long à faire. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je vais faire ces 2,40 m de long, mais c'est pour dire. En tout cas, elle va être immense. Elle est déjà très très jolie, je l'aime beaucoup. Évidemment que je vous la montrerai si je la continue bah, là dans les jours qui viennent. Parce que je vais essayer de vous terminer du coup ce vlog dimanche. Comme ça, je peux tranquillement la monter lundi prochain et peut-être attaquer un autre vlog lundi prochain, qui sait. Donc voilà. Sachant que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère et que j'aimerais beaucoup lui faire un panda aussi au crochet, donc je me suis acheté de la laine blanche parce que j'ai déjà de la noire. Il va falloir que j'arrive à me motiver à faire ça. Je sais pas du tout le temps que ça va me prendre. J'avoue que j'ai un peu peur. On verra bien. Voilà. Ça va être un peu la surprise. J'ai pris aussi de quoi me faire un chouchou pour les cheveux avec. J'ai vu le tuto justement sur Fildart, ça avait l'air d'être trop mignon. C'est genre un nœud, genre les nœuds papillons que vous mettez dans vos cheveux, bah c'est un nœud, avec du coup des oreilles de lapin et un petit pompon au milieu, et que du coup vous mettez autour d'un élastique. Ça a l'air d'être vraiment très très mignon, donc je pense que je vais me faire ça aussi.
Donc j'ai pris de la laine blanche du coup pour le pompon, de la rose pour les oreilles et je crois que j'ai pris du brun, un truc comme ça, pour le lapin en lui-même, enfin les oreilles du coup et le nœud. Je me demande ce que ça va donner, parce que j'ai pas encore lu le tuto, donc MDR, à voir si c'est compréhensible. Enfin voilà, de toute façon, je vous retrouve plus tard dans la journée ou demain ou en speed, on verra bien. Dans tous les cas, je vous retrouve en face cam quand j'ai terminé celui-ci. Donc sûrement ce soir, enfin, on verra bien. Alors on est le 1er mars, je vous ai pas repris hier en face cam tout simplement parce que quand j'ai terminé ma lecture, il était 23h passées, donc j'avais tout le monde qui dormait chez moi, donc autant vous dire que je ne voulais pas prendre le risque de les réveiller. Mais autant est-il du coup que j'ai terminé le tome 2 de L'heure sang coule dans tes veines de Rachel Burge, Le chaos des dieux. Alors il y a eu un passage qui a été assez compliqué pour moi, donc je vous mets le trigger warning comme ça, voilà. Il est question à un moment d'automutilation, sachant que je ne m'y attendais pas du tout, forcément. Évidemment, vous savez du coup que c'est vers la fin, mais c'est pas grave, vous savez pas avec qui, dans quel contexte, etc. Mais voilà, donc je sais pas du tout, parce que j'ai pas encore monté la vidéo, mais je sais pas du tout si sur le passage accéléré, on va le voir. Mais pendant que j'étais en train de lire le passage, j'ai mis mon pyjama sur mon nez, j'étais comme ça, avec le pyjama. Parce que, étonnamment, ça me rassure, alors que ça change rien concrètement. Mais voilà. En tout cas, je pars sur un bon petit 17. J'ai vraiment beaucoup aimé le roman. Il est beaucoup, beaucoup plus glauque que le premier, comme je vous disais. C'est dommage parce qu'on a une fin. Honnêtement, j'aurais bien aimé un petit épilogue pour nous en apprendre un peu plus, etc. Mais c'est ok, franchement, c'est pas comme si on nous lâchait en plein milieu du truc non plus. Donc, ça va encore, je trouve. Même si à la fin, forcément, on m'a un peu frustrée. Mais bon, ça, c'est récurrent avec moi, avec tous les livres. Voilà, c'est-à-dire que dans la mesure où le personnage ne crève pas à la fin, pour moi, c'est pas fini. C'est. Voilà, j'ai du mal, bon, comme beaucoup de gens, je pense, mais voilà. Dans la foulée, je me suis réveillée dans les 3h du mat, un truc comme ça, avec une impossibilité de me rendormir, donc j'ai lu, du coup, donc j'ai attaqué Le noir est ma couleur, donc le tome 3 d'Olivier Guay, donc la riposte. Je l'ai lu, du coup, de 4h à 6h, un truc comme ça, je crois, donc je suis allée jusqu'à la moitié, à peu près. Après, j'ai réussi à me rendormir. Ce qui est bien quand même. Et voilà, donc pour l'instant je n'ai pas encore continué. En tout cas, j'aime déjà beaucoup, beaucoup. J'adore franchement retrouver la plume de l'auteur. Elle est incroyable, je trouve. Alors, certaines personnes pourraient dire qu'il est beaucoup trop familier, mais en même temps, on suit des lycéens, dont du coup, un des personnages est clairement un délinquant. Donc oui, il y a beaucoup d'utilisation de gros mots, etc. Mais pour moi, je trouve que ça nous met beaucoup plus dans l'ambiance parce que vous m'excuserez, mais de nos jours, un ado qui parle comme Shakespeare ou Molière, je pense qu'il n'y en a pas des masses, honnêtement, pour ne pas dire aucun. Voilà. Mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qui se passe. Il commence à y avoir quand même de sacrés enjeux par rapport au plot en fait, qui se trimballe dans la saga. Du coup, j'avoue que je commence à me poser des questions sérieuses parce qu'il y a quand même 5 tomes. Au vu de ce qui se passe dans le 3, du coup, ça m'intrigue beaucoup pour la suite. Enfin, j'en suis qu'à la moitié, donc on va se détendre, mais voilà. En tout cas, je pense que je l'aurai terminé assez rapidement. Il faut juste que je continue de le lire. Voilà. Mais je suis vraiment contente, en tout cas, de retrouver cet univers, ces personnages-là. Donc. Et tant que j'y suis, alors il y en a certains, ça va sûrement pas les intéresser
Je m'en fous. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai reçu ma commande de pelote donc du mois. Je suis trop contente. Il y en a qui ont l'air d'être vraiment super canon. Donc j'ai pris de quoi faire un headband à ma sœur. Donc elle m'avait demandé du gris foncé. Donc je lui ai pris du gris foncé. Pour être plus précise, c'est la Pingo First Orage. Voilà, si jamais ça peut parler à certains. J'adore. Moi personnellement, je l'accrochette souvent en crochet 4, mais c'est parce que j'y arrive pas avec les crochets trop petits. Donc voilà. Mais ensuite, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai prévu de faire un panda en peluche à ma mère, enfin en amigurumi du coup. Donc vu que j'avais déjà de la laine noire, j'ai pris de la laine blanche, donc c'est de la laine en fil chenille. Moi évidemment, j'utilise la Pingo chenille parce que c'est la seule que j'ai testée pour l'instant. Enfin, j'avais testé aussi celle de DMC, Happy Chenille, un truc comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle leur gamme, sauf que le problème c'est que vous avez, enfin moi en tout cas, j'ai pas trouvé des grosses pelotes comme ça, c'est que des petites. Donc je trouve pas ça très très économique et celle-là est quand même beaucoup mieux, elle se dépiaute moins, je trouve. Ensuite, j'ai pris de quoi continuer ma couverture. Donc, même si en soi j'ai déjà 13 pelotes qui attendent, voilà. Mais j'ai repris de quoi terminer ma couverture. Enfin, en tout cas, elle a continué. Donc, je me suis pris 10 pelotes de la couleur pastel, des Pingo First. Oui, c'est ce que j'utilise le plus. Hein, donc, c'est normal que cette laine-là revienne beaucoup. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je me suis pris de la Pingo Esterel 3. Donc, j'ai pris du blanc, du rose. Et un espèce de chanvre. Je crois d'ailleurs c'est le nom de la couleur si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, du chanvre, du rose et du blanc. Voilà, tout simplement. C'est pour faire. Je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais c'est pour faire mon fameux élastique pour les cheveux avec un lapin dessus. Sachant que c'est du fil en coton. Je ne suis pas très fan pour l'instant. Mais je cherche toujours en fait un fil qui me corresponde de ce côté-là. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils préfèrent justement faire du tricot, du crochet avec du coton. Donc tant qu'à faire, autant que j'essaye quand même. Les couleurs, elles sont vraiment super douces, toutes mignonnes, donc c'est pour ça aussi que je les ai prises. Bon, je vais pas m'amuser à toutes les sortir, mais j'ai repris 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai repris 5 pelotes comme ça. Donc c'est le fil Mélodie en teinte Parme, c'est pour mon pull. Tout simplement parce que du coup, il me reste les manches et les bordures à faire. Je pense qu'avec 5, j'ai trop, mais c'est pas grave. Autant avoir du rab, c'est mieux. Et j'ai repris 6 pelotes, donc Pingo First toujours, la teinte rouge pour terminer mon cardigan. Puisque là, il me reste juste à l'heure actuelle les carrés rouges à faire. Il me reste du coup forcément la couture et les bordures à faire. Donc j'avance bien, je suis contente. Aujourd'hui, je pense pas faire beaucoup de crochets. Je pense que je vais déjà essayer de me concentrer sur le roman que j'ai en cours. Sachant que par exemple pour le panda, j'ai littéralement jusqu'au 18 avril pour le faire, donc j'ai le temps. Le bandeau de ma soeur, je pense que je le ferai tranquillement dans le week-end. Et puis au pire, ça me prend 2 heures grand max à faire, donc ça va encore. Enfin 2 heures grand max, en vrai 1 heure et demie, mais je préfère prévoir large vu que généralement je regarde des trucs en même temps que je fais du crochet. L'élastique pour les cheveux, dans l'idéal, il faudrait qu'il soit fait dans le mois. Et le pull, en soi, vu que c'est plus trop la période, je me dis, j'ai pas trop de délai. Sachant que je l'avais commencé, il faisait encore super froid, je précise. C'est juste que j'ai beaucoup galéré pour la partie du devant, enfin du derrière, pardon. J'ai dû mettre entre 4 et 6 heures. Alors que celle du devant a dû me prendre 2 heures, 2 heures et demie grand max. Voilà, pour ma défense, j'ai un problème, c'est que j'ai tendance à ne pas compter mes mailles quand je tricote, enfin quand je fais du crochet. Ce qui fait que je me retrouvais avec une pièce qui rapetissait au fur et à mesure, je comprenais pas. En fait, c'est que j'en sautais, et donc du coup, il a fallu que je le redéfasse je sais pas combien de fois pour tout refaire. Enfin, c'était un peu galère, mais j'ai fini par y arriver. Voilà, là il me reste juste les manches du coup et les bordures, donc j'avance bien. Donc là tout de suite, je pense que je vais continuer un peu de lire. Je pense pas vous filmer ça parce que je vais rester comme une paumée sur ma chaise de bureau, sachant que j'ai le lapin qui fait un peu n'importe quoi. Je risque de donner des coups dans le trépied, etc., etc. Donc c'est pas la solution.
Pour le reste de la semaine, en tout cas, j'ai déjà prévu un autre roman à lire. Après, par contre, du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser, dans le sens où lundi, j'aimerais beaucoup attaquer une lecture pour un vlog de découverte de livres. Sauf que, du coup, je sais pas quoi lire pour ce week-end parce que je pense que lui, très clairement, sera fini dans la journée. Lui, enfin. Du coup, je vous montre celui que j'ai prévu de lire en deuxième. C'est le tome 2 du coup de l'épée, la famine et la peste. J'ai prévu du coup de le lire. Pareil, en vrai, je pense sur 2 jours, c'est largement faisable vu la taille du livre. Il n'est pas non plus excessivement gros. Ça me fait. Je crois que par contre pour celui-là, j'avais calculé en termes de chapitres. Donc en gros, j'aurai une session avec 160 pages et une deuxième avec 200 pages. Donc ça va encore. Sachant que je pense que je vais le lire assez vite. Là, si j'ai juste pas enchaîné avec celui-ci tout de suite, c'est parce que déjà de 1, j'ai eu envie de lire en me réveillant à 4h du mat. Donc, autant vous dire que celui-là, je préfère éviter parce que la plume de l'autrice est quand même assez hard. Il y a quand même pas mal de choses où il faut comprendre et tout. Alors je dis pas que celui-là, il est pour les bébés, mais c'est du jeunesse. Donc, c'est un peu plus abordable, on va dire, et moins prise de tête. Alors que celui-là, vraiment, je sais que mon cerveau aurait explosé très clairement. Surtout que l'histoire est quand même assez complexe, les enjeux aussi. Et je vous avouerai que aller me coucher après avoir lu des trucs où les gens ils se font zigouiller à tout va, non merci. Voilà, donc j'ai préféré prendre celui-là qui est quand même plus soft de ce côté-là. Mais du coup, je sais pas trop ce que je vais lire après. Sachant que quand j'aurai fini celui-là, donc c'est un peu ce que j'ai fait avec le tome 2 de Leur sang coule dans tes veines, c'est que du coup là j'aurai terminé 2 sagas dès le début du mois, donc qui est quand même non négligeable, enfin dès le début du mois. Celui-là je l'aurais fini hier, donc fin février, mais c'est pas grave, c'est pour dire. Le truc, c'est que j'ai d'autres trilogies à finir, je crois. Sauf que Lady Hélène, il est immense. Il n'y a aucun monde où je le lis en 2 ou 3 jours. Ou 3 jours. Honnêtement, sur une semaine, je pense que c'est faisable. Mais moins de temps, ça va être compliqué. Donc, faut que je vois. Faut que je vois, mais. Parce que sinon, je me dis, au pire, je peux me faire un week-end avec des lectures graphiques. C'est pas mal aussi, ça je sais que par contre je peux les bourriner, surtout si j'avance bien dans mes sagas en cours. Je sais que je peux lire à peu près, je sais pas, peut-être, peut-être pas 6 non plus, mais entre 4 et 5 livres si c'est des lectures graphiques, je pense. Honnêtement, je me rends pas compte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, mais de toute façon, je verrai bien. Donc voilà, de toute façon, vous allez avoir la réponse dans quelques secondes. Moi je risque de tourner en rond encore pendant plusieurs heures, mais tout va bien. Je vous retrouve parce que donc hier j'ai terminé le tome 3 de Le Noir et ma couleur d'Olivier Guay. Je l'ai terminé vers 23h30, je crois à peu près. Tout simplement parce que je vous avais dit que je ferais pas de crochet. En fait, j'en ai fait. Je suis chiante, je sais. Dans le sens où j'ai avancé mes carrés du coup pour mon cardigan. Donc il me reste juste les rouges à faire, donc j'en ai fait 2. Parce que tout simplement j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Je me suis fait un élastique pour les cheveux lapin, il est trop mignon. Alors les pompons c'est une galère à faire, je n'en referai jamais je pense. Dans le sens où si je fais d'autres élastiques comme ça, je pense que je ferai plutôt une boule que je rembourrerai avec de la ouate. Et vous voyez genre il est attaché par derrière. Je crois que je vous parlais justement de fil en coton hier, je crois, quand j'ai reçu ma commande. Pour l'instant, honnêtement, celui de Pingo, enfin de la marque du coup, Pingouin, Pingo, voyez ça comme vous voulez, le Pingo STRL là, que je vous ai montré hier, donc pour faire l'élastique,
Pour l'instant, je le préfère largement à ceux que j'ai pu tester de fil d'art. Après, j'ai pas essayé toutes les gammes de fil d'art, j'en ai essayé qu'une. Le fil est extrêmement fin. Là, celui-là, il est un peu plus épais et je préfère. Mais j'en ai une autre, enfin, j'ai deux autres teintes de pelote de fil d'art. Je crois que je sais pas quoi en faire pour l'instant, donc voilà. Mais j'en ai deux autres que je pourrais éventuellement tester. Voilà. Ouais, il est celui que j'ai testé jusqu'à maintenant de chez eux, il est beaucoup trop fin. Là, celui-là, il est nickel. Enfin, je veux dire, il se dépiaute pas trop. Il est pas trop épais, mais pas trop fin en même temps. Enfin, il est agréable à tricoter. Enfin, il est sympa, quoi. Donc voilà. Et hop, que je vous montre. Bon, comme je savais pas ce qu'il y avait dans le carton, parce que je me rappelais pas ce que j'attendais, j'ai déjà ouvert sans vous. Mais j'ai reçu deux livres encore de coloriage mystère. Ouais, c'est des mystères tous les deux. Donc j'ai reçu le Famille, dont on entend beaucoup parler en ce moment parce que je crois bien qu'il vient de sortir. Je suis pas sûre. En tout cas, il date de cette année, c'est sûr et certain. Et j'ai reçu le Love Stories, pareil de Disney. Sachant que celui-là, je sais que dans la communauté du coloriage, il est extrêmement apprécié. Alors, je sais aussi que je vais mourir parce qu'il y a 1 milliard de fois trop de couleurs. Mais ça va se faire. Je m'inquiète pas trop pour ça, ça va se faire. Moi qui aime bien commencer par ceux avec pas trop de couleurs, ça va être un peu compliqué, hein, voilà. Mais ça se fera quand même. De toute façon, j'ai vu une technique qui consiste en fait à prendre une couleur en clair et vous rajoutez des couches au fur et à mesure. Ça vous fait utiliser moins de putres et vous avez souvent plus de teintes en faisant comme ça. Et au pire, je sais que je peux gratter avec des crayons de couleur par-dessus pour essayer de modifier un peu la teinte. C'est ce que j'ai fait dans le colo que j'ai fait début de semaine parce que j'avais pas ce qu'il fallait comme teinte pour la partie claire du deuxième chien là, vous savez, dans la Belle et le Clochard, Belle je crois, justement, je sais plus son nom, mais on s'en fout. Et en fait j'avais pris du beige et j'ai gratté, enfin j'ai gratté, j'ai repassé par-dessus un espèce de marron beige justement, et ça m'a fait pile la bonne teinte, donc c'était nickel. Et du coup, vu que je l'ai pris avec la Fnac, je sais pas si c'est une offre que avec la Fnac, mais avec Love Stories, du coup, j'ai eu des cartes à gratter gratos. Écoutez, je prends, j'ai jamais testé ce genre de choses. Là en plus, c'est que des chats, je ne suis pas fan de chats, voilà, mais ça se fera quand même un jour ou l'autre. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu, donc je pense que je vais essayer de lire un maximum. Donc comme je vous disais, je vais me faire le tome 2 de l'épée, la famine et la peste. Peut-être pas le faire en une journée parce que vu les sujets, je pense que ça va être assez hard. Mais en tout cas, il va être fait dans le week-end, enfin lu dans le week-end. Aujourd'hui, j'ai aussi prévu de faire un ou deux colos, du coup, entre mes pauses de session, parce que sinon je vais avoir la tête comme ça à force de lire. Que je vous montre au moins les cahiers dans lesquels j'ai prévu de les faire. J'ai prévu du coup d'attaquer le coloriage mystère manga, sachant que celui-là, il n'y a pas énormément, enfin j'avais feuilleté vite fait, il n'y a pas énormément de teintes à utiliser, souvent il y a très peu de couleurs, donc je pense que je vais le faire dans l'ordre en fait, tout simplement. Sachant que les deux premiers, je crois qu'ils sont dans le même style parce qu'il y a le même type de couleur, donc en fait il y a des risques que je me chauffe à faire les deux en même temps, enfin pas en même temps, mais l'un après l'autre. Voilà, et j'ai prévu du coup d'en faire un dans le saison de Disney pour du coup pareil l'attaquer. Sachant que quand je l'ai reçu, en fait, je me suis fait une feuille avec, je me suis marqué, bon, vous voyez rien, mais en gros, j'ai regardé les Solus et j'ai reporté le numéro des coloriages par saison en fait. Parce que c'est un peu tout mélangé dedans, donc voilà, enfin, ce serait un peu con de faire une scène d'hiver en plein été, enfin, autant essayer de rester raccord. Donc du coup, j'ai prévu d'attaquer celui-là. Et sinon, en termes d'autres lectures,
J'ai prévu de me faire le tome de Degreman que j'ai et qui me reste à lire de ce que m'a prêté ma collègue et d'avancer dans les mois quand je me réincarne en slime. Donc j'en suis au 17 et tant qu'à faire, je vais essayer de lire le 18 avec. Évidemment, tout ce que je vous ai montré, ça risque d'être réparti en 2 jours. On se détend, il n'y a aucun monde où je fais ça en une seule journée, c'est pas ce que j'essaye de dire. Donc voilà, sachant que je me suis déjà préparé les livres à lire pour la semaine prochaine, donc j'en ai pris 3. Donc il y en aura un qui sera en vlog découverte tout seul, vu que c'est un tome 1. J'ai 2 suites, dont du coup une fin de trilogie que je risque d'attaquer, qui risque de me durer, pardon, jusque. Enfin, semaine dernière, plus peut-être un peu de rap de la semaine encore après, parce qu'il est big et je sais pas si j'aurai la tête à le lire en entier, à voir, voilà, mais en tout cas, j'ai déjà prévu mes prochains livres à lire, donc c'est cool. Du coup, je me dis, il y a peut-être moyen en vrai que la pile à lire de mars, si je me débrouille bien, que je la finis pour une fois, voilà. Je crois qu'il n'y a pas une seule pile à lire que j'ai réussi à terminer. Il faudrait que je me remette dans mes trucs, mais je crois pas. Hein. Ce serait bien quand même que j'y arrive un minimum. En tout cas, je pense que je vous reprendrai pour des accélérés. Alors, sur quoi, je ne sais pas, mais je vous reprendrai plus tard dans la journée et je vous ferai mon compte rendu de ce que j'ai fait ou pas d'ailleurs, dans la mesure où hier, par exemple, je ne vous ai pas repris. À voir du coup comment j'avance, que j'ai prévu de faire, et puis voilà.